ni Pierre Metem, c'est pas ni Jean, ça c'est ça bon Dieu voulait, c'est ça Jésus qui voulait. Parce que Mbatal fait 3 ans, même j'ai avec nous, il a critiqué, c'est vrai, mais ça c'est bon Dieu qui voulait que je vienne à Paul. Donc, où est-ce qu'il mettait dans l'être pour faire les gens connaître qui sont liés, pour dire que les gens pas jouer avec moi. Maintenant, dans le passage, ça, je dis que l'expression, ça, on va jouer dans 1er et 2 Corinthiens, on va jouer dans Éphésiens, on va jouer dans Colossiens. Et sous ta cour, vite garder, ou après que, li toujours dans l'être lié, on va garder Colossiens pour nous. Éphésiens, Colossiens, et on va garder, ouais, garder nous, un point Colossiens. La pécure en lettre aux gens de Colosse. Il dit Paul, nous qui sommes en Wally, et que c'est en Colossiens, chapitre 1. Voilà. Paul, lis pour moi, non? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par et le frère. Donc, c'est-à-dire que l'être ça, que l'être a écrit, Timothée était avec lui. Il tout mettait Timothée là-dedans. On nous garde 1 Corinthiens pour nous, vite, vite. Parce que c'est étudier, n'a pas étudié, pour nous sûr de n'a parler, pour nous parler avec certitude. On garde 1 Corinthiens. Comment le commencer? Ok, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Ouais, Paul, appelé par. Ok. Good, good. So, égal, nous comprenons pas ça. Très bien, c'est identifier la, puis identifier tête. Li. Et ce n'est pas seulement dans l'être la pécrit Timothée, li fait dans 1 Corinthien, li fait dans Colossiens. Donc, égal, ou est que son monde qui a un problème de crédibilité? Donc, la pécrit, li besoin de make sure que le monde connaît, que le monde nie, comment le fait là? Parce que haïtien, alors bien que ce n'est pas haïtien, tu as parlé, ou toujours demandé qui moun nie, koto sorti, qui drogue, baron koto sorti. C'est même j'ai avec mon qui parlé de yote l'église depuis 50 ans et puis là paraît tout même gain 20 ans de oh photo de malonté là. Vous comprenez? C'est même bagaille. Donc gain mon qui était avec Christ, il était marché à Christ, gain mon qui ouais Christ ressuscité même et ou même côté. Donc c'est comme ça. Donc Paul obligé à parler, c'est ça fait que dans l'être lié, il exprimer comme ça. Donc quand sous garde puis bas dans page 1 hein, ou après côté que l'utiliser par la volonté de Dieu, li, non, à cause que lui connaissait bon Dieu, mettez lui, et si vous regardez ça dans Galates 1, verset 1, si nous regardons dans page 1, nous voyons en bas, Galates 1, verset 1, et chapitre Galates 1, verset 15 et 16. Maintenant, non seulement, on a analysé cette phrase ça, pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et puis il dit, pour qui ça? Bien, pour qui ça que l'apôtre là? Ouais? C'est ça le but. Ok? What is the reason? Et puis il dit, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Right? Donc, monsieur, bon gros job que l'a fait, et Jean de Bagay, ça y est, et juifio par amen et surtout même juif qui convertit il a demandé qu'on te sorte donc pas besoin d'être trop souli en nous continuer now on nous garde toujours nos verset 2 à qui monde que l'être adressé verset 2 à Timothée pas seulement à Timothée et Timothée que nous n'a joindre Timothée dans en dans acte 16 et c'est la rencontre la rencontre avec Timothée. Et puis il embauche Timothée dans œuvre missionnaire. Maintenant, il pas seulement dit Timothée, parce que Timothée c'est un bon petit élément, jeune garçon un bon disciple, et puis il dit mon enfant bien-aimé. Donc parce que l'on a écrit il y a plusieurs formes qu'on utiliser et puis sous besoin ajouter plus explications. Parce que c'est dit, s'il te dit seulement
à Timothée. OK. Pas un problème, son lettre écrit ou déjà dit que c'est bon Dieu qui met au nous comprendre. Et puis il dit qu'on a destinataire là c'est Timothée. Mais l'ajouter mon enfant bien-aimé. Ça c'est pour que Timothée qui va recevoir lettre là comprenne que Paul a une affection profonde dans cœur li pour lui. Ouais, l'or je non Timon petit ou qui a pas la voix. Ou dit et puis comme un comment obéjane my dear son my good son donc égal ou ajoutons une marque d'affection là-dedans c'est égal ti moun nan senti li bien ou di senti pas seulement maman papa relé li mais papa renmel Johnny come in my good son come in whatever ça c'est ça ça veut dire donc Paul et a parlé à Timothée mon enfant bien-aimé, moi dis ça son marque d'affection, affection. Donc son sentiment qu'on gagne ou a dégagé. Maintenant, ma banon n'a pas ça. Et page 1 et 29 verset 2, je vois plusieurs côtés que Paul utilisait à faire mon enfant bien-aimé. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2, sous gardez-lui 1 Timothée 1 vers ces deux, ouais, il fait commencer le premier lettre que t'écrit Timothée a, il dit Paul apôtre de Jésus-Christ. Maintenant il dit pas, il dit pas la volonté, il dit par ordre. Aïe. Par ordre de Dieu notre sauveur et de Jésus-Christ notre espérance à Timothée mon enfant légitime qu'on y a là en la foi. Qu'on y a mis ça dans la première lettre là, oui, Timothée pas petite biologique, Paul. Mais Timothée, ou par contre, t'as d'expliquer ça, monsieur, c'est mon père dans la foi. On me disait comme ça. Donc, Timothée, son homme qui recevoir instruction dans la main, Paul. Donc, et comme si son Timon que l'a fait, c'est Timon que l'a fait grandir et la caille. Donc, il investit dans Timothée. Donc, moi, banon encore, l'autre côté, sûrement c'est 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, parce que je ne l'ai pas mis sous-rivé dans page 2. On garde encore la grande flèche, mon enfant bien-aimé, où je venais dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 2. Et puis, on venait encore en. Philippiens chapitre 2 verset 22 ou abjoigni côté la parler maintenant et en regard des Philippiens vite Philippiens chapitre 2 ne pas prêter trop parce que nous gagne l'autre bagaille pour nous enseigner Philippiens chapitre 2 verset 22. OK. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi. Comme un enfant qui ça avec comme si son timon nous prend en main la paix travaille avec Paul. Donc so, but feuille là m'a paix analyser là avec nous et puis les nouvelles la caille nous pour na l'île pas jeter le bien-aimé il prend le temps pour faire ça et nous fait les donc pour nous capable agrandir connaissance tout bien et quelques bagailles bien content idée à te venir parce que si m'a dit toute bagaille ça nous va gon bagaille non mais nous pas cap prendre note et puis n'a oublié. OK donc mais me dit il est bon de souligner que l'apôtre s'adresse de la même manière aux nouveaux convertis. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14 et 15, Galates 4, verset 19, et Philémon chapitre 10, pas chapitre 10, Philémon 10, c'est-à-dire Philémon verset 10, et puisque Philémon son seul chapitre 1, ou dit Philémon 10. Maintenant, et puis moi écrit ça, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Et puis il dit Onésime. Now,
on nous font petit campé sous ça, c'est avec Philémon la parler. Maintenant, la parler de Onésime. L'elle identifier mon enfant que m'engendré, c'est-à-dire son petit monde que me fait. Mais n'importe monde qu'on prier pour lui mener en Jésus-Christ, il sent ses petits tout. Et au doué de temps en temps battre coup de téléphone, comment lier, parler avec lui. Non seulement on fait la Bible avec lui, mais essayer mander tout l'autre bagage personnel, qui problème ou rien tout, l'important parce que l'homme ne vit pas seulement de pain. Comment? Parce que oui, j'étendais là tout point de vue pour aider parce que son monde que ou aider. Et gagnon, me rappelle même telle école, gagnon professeur qui dit comme ça que chaque Paul besoin Timothée et chaque Timothée besoin qui est on Paul. Yes, c'est important. Donc Timon a besoin monde pour capable aider l'éduquer li bali enseignement de même tout ou même qui déjà gagné expérience chercher quelques jeunes nous capable faire ça. Parce qu'on connaît jeunes, ils n'ont pas tellement entendu nous, pour eux-mêmes, nous ne parlons pas l'anglais assez, à faire pas. Mais si nous avons un monde quelconque, un jeune quelconque, ou qui manque de maturité spirituelle, et puis vous décidez de faire un coup de fond de col, vous ne connaissez pas qui vient de misère, qui est difficile de la traverser, ou à parler avec lui, faut parler, parler, conseil, j'ai comme ça, nous conseillons, concernant la Bible, vous ne connaissez pas. Maintenant, laisse ça, on va jouer le rôle de Paul. Donc, il y a ça, et le monde va faire disciple. On va faire disciple. Donc, on va faire disciple à la petit tout. On va faire disciple tout avec tout le monde qui est l'église là, ou tout le monde qu'on a rencontré dehors. On va continuer. Now, on nous prend Mbano, tout côté que Paul utilisait l'expression mon enfant à tout le monde que le menait, que le priait pour eux, que lui. Et devine accepter Christ. C'est petit tout. Donc, petit tout dans la foi. Ou même tout, ou capable de petite. On est capable de son soeur, on servante. Il y a un problème, on en parle avec lui. C'est-à-dire que lui vini, petite fille, bon, dans la foi. Donc, cherchez, joignez une petite fille, cherchez, joignez un petit garçon. Et c'est où est-ce qu'il a fait ça pour 2020. On nous prend 2 Timothée 3. Et 4 et 5. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Donc, maintenant, mettez le texte pour nous. Et puis, nous descendons en bas pour nous recommander à analyser. Maintenant, verset 3 et 4 là, c'est un remerciement pour ses parents. Parents, yo, marqué en parenthèse, qui parenté haïtien, juif. Merci beaucoup. Gardez pour nous. Dans page 2, dans mi-temps. Gonvé 3 et 4. C'est remerciement à ses parents ou pour ses parents juifs qui ont servi Dieu. Maintenant, quand nous voyons ça dans verset 3, il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. C'est-à-dire que grand-grand-ni, t'as servi mon Dieu, ça, qui t'a déjà mis sur un chemin. Donc, si nous avons pensé comme ça, nous avons gagne une sorte de reconnaissance envers nous. Parce que l'homme de pour aller à l'église, il est toujours fatigué, il est toujours pas aimé aller, c'est traîner. Moi-même, tu es traîné, on traîne tout, parce que c'est un petit. Ou pas connaît ce qu'on a fait. Mais papa me connaît, ça l'a fait. Vous comprenez? Parce que l'école, ça même, ou aller à l'église, à tout petit monde, 2 ans, 6 ans, 7 ans, ou pas sous l'église. Mais papa, ou. Maman, a traîné aller. Et puis, au jour J, les moments arrivés, Christ a pris le contrat à vous-même. A pas arrêté ou puis à comprendre l'évangile que papa et maman te connaît nous aller. C'est ça qui fait que son devoir lié pour nous-mêmes en tant que parents. Mais donc, ce n'est pas les petits qui ont 22 ans, 21 ans, non. Pendant, depuis, les ont commencé à 3 ans, 4 ans, mener à l'église, 5 ans, 8 ans, 13 ans. Parce que sous qui t'es 21 ans pour aller, ou pas de mener l'église, ou y a un gros problème. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait que le arrive pour à l'église, ou pas demander, ou pas dire, do you want to go to church today? Non. Ou pas poser question comme ça. Let's go to church.
dimanche matin, depuis au retour à pleuver, on entre à l'étoile, on range corps, ou ben de range corps, ou bien on va frapper porte. Et pour, you're not ready? What's going on? Mais c'est comme ça, monsieur. Donc c'est comme ça. Depuis on va préparer, parce que si on aurait été couché, ou pour dimanche, il a prêté tout. Donc, et puis, il faut qu'on ait tout, il y a pour observer tout le temps. Et puis, il n'y a pas de rien. Dans le moment favorable, et puis après, il y a tout. On ne peut pas, mais on ne peut pas go dimanche ou chita là, on parle l'église ou dans la télévision. Et pour qu'on y a venu dire, vous parlez. Veillez ça bien aimé, si vous avez en pile. Donc, oui. Donc, monsieur nous dit, il affirme son service à Dieu avec une conscience pure. Note, la conscience, c'est un juge interne. Conscience pure. Comment on a fait ça, on a fait. Conscience pure, c'est très important. Et puis, qui motive, qui derrière, pour ça, on a fait. Il dit, conscience pure. On a pas agi. Et puis, qui ça derrière tout? Conscience pure. Conscience pure, c'est lorsque ou pas on est tout, ou seulement on est Christ. Ou seulement la gloire de Dieu. Oubliez complètement. Donc, conscience pure. Maintenant, verset 2. Et il dit, encore on a parlé. Il dit, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Donc, je ne sais pas pour nous, je prie pour Timon Moyo, je prie pour l'autre jeune. C'est chacun. Et son droit, son devoir que lié. Et comme Tapti nous dit, bonsoir. Obligé de prier sans cesse parce qu'il y a plusieurs types de prières pour faire. Il faut prier pour tête, il faut prier pour les saints, je dis ça, et puis surtout, il faut prier pour tout le monde. Il faut prier même pour vagabonds, même pour bandits, pour tous les hommes. Je te souviens, le monde qui était là dimanche et soir, je me suis parlé. Maintenant, son amour pour Timothée le forçait à penser constamment à lui et à prier en sa faveur en se rappelant. Maintenant, il est tellement pensé. Et à Paul, il a pensé à pleurer, lui-même tout et Paul tout qui a pu jeter. Maintenant, livré en nous garder, en me rappelant tes larmes et désirant te voir, dans verset 4 là, gardez plus haut, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir sincère qui est en toi. Qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs et ta mère Eunice. So, monsieur, après rappeler Paul, oui, me songe où, vous comprenez? Et puis, l'aime où, moi songe formation que tu recevoir dans mes grands, aimé dans mes mamans, Eunice, et qui j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, vous croyez que affection vraiment que l'a dégagé, il remet nègla, il remet serviteur, et puis l'a écrit comme ça, l'a encouragé tout. Maintenant, ailleurs là, c'est ça, ailleurs en anglais, en français, moun longtemps, grand moun longtemps. Ailleurs, c'est Lois, ok, c'est grand-mère là, et puis maman littéralement, Eunice, qui était maman Timothée. Maintenant, moi dit là, sa grand-mère et sa mère étaient juifs, tandis que son père était qui ça? Grec. Ou capable de garder ça dans acte 16, verset 1. Nous n'avons pas de temps pour nous aller libérer ça. Mais ça fait un bon papier. Donc, pour capable de voir. Maintenant, il était une petite juive, et puis papa, c'est grec. Ça veut dire que Timothée lui-même, c'est un juif. Il prend nationalité maman. On nous prend 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 8. Est-ce que nous avons une question de Sénat Maché sur lui? Qui ça nous pas comprendre là? Nous sommes seulement appelés, maître quotidien. Oui, allez, nos frères. L'Elta a parlé qui côté à Rome? Ah, c'est Paul qui était avec, c'est Timothée qui était. Timothée était avec Paul. Mm-hmm. Oui, bon. Luc lui-même
n'est pas seulement avec Paul, il était avec Pierre tout. Vous comprenez? Et puis, c'est ça qui permet que lui vienne écrire l'évangile de Luc, parce qu'il n'est pas avec Christ. Luc n'est pas avec Christ. Et il y a une barrière comme l'eau fort qu'on est. Dans tout auteur dans la Bible, c'est seul Luc qui n'est pas un juif, son grec que lié. Tout l'autre monde, c'est juif. Donc, monsieur, l'elle a écrit, lui écrit et d'après Sousli. Sousli, c'était Pierre, Sousli, c'était Paul. Et puis, Sousli, c'est monde qui était avec Jésus. Et si vous regardez, et je n'ai pas de temps pour élaborer sur lui, si vous regardez dans Luc chapitre 1 et Actes, vous apprenez que monsieur s'est compilé, il a compilé une série d'informations, et puis pour être capable d'écrire les deux livres, l'Évangile selon Luc et Actes des Apôtres. Ok? On va continuer. 2 Timothée chapitre 1, verset 6 à 8. Qui est capable? Ouais, dans ça. C'est pourquoi. Mais c'est ce que ça dit, je t'exhorte à ranimer le don. Donc, moi grossi, bagaille ça parce que je n'ai pas allé sous lit, à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Maintenant, nous allons comprendre et imposition des mains, avant de m'enlever sous et ranimer le don. L'imposition des mains, c'est dire que Paul, censé et ordonné, et Timothée, mais il y a quelques théologiens qui disent que ce n'est pas Paul qui t'a fait lui, qui t'a mené Timothée à Christ, parce que, alors, je ne suis pas d'accord avec eux, si vous regardez tout de suite dans Acte des Apôtres, chapitre 16, ou après yon bagay, Acte 16, verset 1. Acte 16, verset 1. OK? Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. C'est là Paul sortit. Et voici, il y avait là un disciple. Maintenant, disciple, c'est un monde qui t'a suivi. Donc, c'est dit que, maintenant, est-ce que monsieur c'est disciple de Paul ou bien il était en train de recevoir l'évangile? Nous sommes capables de réaliser que tu recevoir l'évangile déjà parce que maman, grand-ni, tu as déjà ta formation spirituelle, formation biblique. Mais avec moi, donc ça fait quelques monde qui croit que ce n'est pas Paul qui t'a mené monsieur à la conversion, mais Paul l'a parlé, il dit que il fait imposition des mains pour lui. C'est-à-dire que il met des mains sur imposition des mains. C'est lorsqu'on va ordonner le monde. Maintenant, ordonner veut dire mise à part. Ma fonti sous lit, mise à part. Donc, non, en culture américaine, il y a plusieurs types d'ordination. Vous entendez ça, m'a dit? Il y a plusieurs types d'ordination. Il n'y a pas d'enfeuille là. Ça sont extrêmement bas. Donc, maintenant, l'ordonner yon moun ou ordonner li pour une fonction spécifique. Maintenant, communauté haïtienne là depuis que yo mette un moun à genou ou fait une position des mains sur lui déjà connaît que c'est pasteur. OK, c'est dans culture non comme ça. Mais aucun doit mettre moun à genou ou ordonner pour venir un diacre. Que doit ordonner tout pour venir un évangéliste. Que doit ordonner tout pour venir un prédicateur. Parce que non communauté américaine là gomba écrit l'eau ordain preacher. Yo pa voye moun al prêcher comme ça, c'est l'église qui ouais que monsieur capable prêcher et puis yo font service comme si yo ordonné moun nan comme preacher mais pas comme pasteur parce que son l'autre bagaille. Donc les ordonnou yo do yo ordonnou pour l'œuvre pastorale. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ordination que ce soit pour œuvre pastorale ou bien pour prédication ou bien pour ça que tu es capable de dire pour mission, ou bien évangéliste, ça veut dire mise à part. Si nous regardons dans Acte 13, nous attendons pendant que nous nous réunions, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre. Mettez-moi, c'est ça. Et puis, vous faites une position des mains pour vous. Donc, vous commissionnez Mounsayo comme missionnaire. Donc, ordination, normalement,
meaning ni ou bien c'est pas seulement yo mette mes sous trouve une pasteur c'est dire que son moun yo ordonné yo mette à part pour faire un travail et si nous comprenons ça au dire pour faire un travail donc c'est mettre à part c'est ça ordonné veut dire on nous continuer et le marché même commence à l'heure parce que à peine si nous retournons 5 minutes on nous continue maintenant à ranimer le don. Maintenant, ça veut dire donc ranimer le don. Donc ou gen don, ou fait avec lui, bon Dieu baoul. Mais si ou baoul ou pas utiliser, ça qu'a passé. Ou perdu lui et puis tout living dead nan men ou. Donc et si ou gade nan 1 Corinthiens chapitre 12 marqué li, ou a vin tout don que cet esprit ba on moun. Le ou bon don, y pa baoul pou chita avec lui. Yo ba ou li pour l'édification de l'église. Et puis tout pas qu'à prendre don que bon Dieu ba oua pour faire chèl bavel. Maintenant laisse ça même la retirer le nom. Wa ou ko pas qu'à faire rien du tout la dan. Maintenant cette expression dénote l'idée de l'ordination de Timothée par Paul parce que c'est lorsque l'a dit dans si nous regardons en page 2, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don, parce que monsieur son homme qui a un don, et ou après le pied devant, côté que monsieur a dit que son homme qui fait avec don pour vivre un pasteur. Vous comprenez? Et Jean de Bagay Sayo, conseil de Bagay qu'on gagne, c'est-à-dire ça n'aurait le don, l'Église ne fait que reconnaître le don que Dieu a donné à quelqu'un. On prend par exemple sœur Alcimé qui chantait. Ne trouvez pas dans ça. Il a un don de chanter. Vous comprenez? Maintenant, comme qu'on y a le malade, il n'a pas qu'à faire chanter, j'en ai chanté, mais longtemps laissé sous pied. Que vous mettez le chanter là, que vous ne mettez le chanter là, il a chanté quand même, parce que ce n'est pas nous qui avons payé pour lui. Son don que bon Dieu a dit. Si nous-mêmes nous ne pas reconnaître don pour nous bal chanter, à fait pas nous, nous avons perdu. Et vous comprenez? C'est sacré le don, ou reconnaître le don de quelqu'un. Donc c'est comme ça que tout le monde a un don pour être pasteur. Et l'Église ne fait que reconnaître ce don et puis yo ordonner, mettez la part pour ça. Donc conseil de don que bon Dieu mette dans mon nom, l'Église reconnaît lui. Et puis, le mettez au service de l'Église. Ranimer le don, expliquez-nous. C'est pour nous continuer de travailler. C'est comme si c'est un couteau que nous avons aiguisé de temps en temps pour travailler avec lui. Qu'est-ce que ça me dit encore? Parler de dans page 3, Timothée a reçu un don spirituel dès son jeune âge. Moi, dit ça. Maintenant, on nous prend verset 7 là, qui est dans page 3. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Oui. Dans le cas, ça, mot timidité veut dire lâcheté. Donc, Américain est le coward. Le coward, vraiment, sont lâches. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité. OK? Et que côté il dit ça dans le verset 7 là, qui était le verset 7 là pour nous. Côté lié là, je vais chercher le verset 7 là. Et, OK. D'aller, et verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ah, maintenant, c'est-à-dire que, il y a de vérité, le fait que son carotte, bien que bon Dieu, baou l'inspire pour dire, mon père, pour mon pas critiquer après. Maintenant, bonne façon pour parler tout, mais c'est lorsque le Saint-Esprit, c'est lorsque c'est le Saint-Esprit qui anime pour parler, c'est parce qu'il déjà connaît que gen moun nan assemblé a qui malade qui veut entendre ce qu'il dit. Maintenant, si vous refusez parler pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous censé venir obéissant égal message là que vous confiez leur papa. On regarde verset 8 là. N'êtes donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur
ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. D'après les recherches que je fais, ça veut dire tout simplement que si nous regardons dans le verset, dans la page 3, en bas, dans la page 3 en bas, Paul, regardez pour nous, ouais, vous dites peut-être, ok, on campe, excusez-moi. Esprit de servitude signifie esprit humain n'ayant pas été saisi par le Saint-Esprit. Ok, ça veut dire, c'est-à-dire que yon moun souwe que ou ont pour parler. Parce que le Saint-Esprit saisit vraiment, oubliez tout bagay, c'est-à-dire que ou rempli du Saint-Esprit. Ou a fait des bagay qu'on pas même qu'à contrôler. Non, dans 1 Timothée, la référence à son ordination est liée à des problèmes dérivés de sa jeunesse. Gardez pour 1 Timothée 4, verset 12. Maintenant, moi, tout bas nos versets. Il dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en force, en pureté. Maintenant, le problème qui gagne, c'est que, premièrement, Paul et Timothée étaient jeunes. L'Elvini a desservi l'église qui a Éphèse. Qu'on y a là, en tant que jeune, gossé de gros prélats qui pas tellement bas l'importance qui ou son jeune petit élément à parler ou à passer blood ou bail comme ça. Donc ça vient fait que monsieur vient triste, il vient intimidé. Et donc, et Paul, de temps en temps, a expliqué. Monsieur, et d'ailleurs, Paul voit ça, c'est pas seulement pour lui, il faut sentir que l'aide ça, que Paul te voit par Timothée et l'île tout à l'assemblée, pour qu'on connaisse que Paul a couru Timothée. Maintenant, pour l'autre bagaille encore, Timothée, t'es un petit problème aussi. Parce qu'en tant que jeune, et puis, lui prend une lutte côté que la prêche l'évangile. Et l'évangile là, il y a sa lié, c'est Christ crucifié. Et ensuite, la défend Paul qui pas parle dans la foi et Paul son homme, son prisonnier. Et ce comprend ça maintenant là? Donc, ça vient faire que monsieur vient un problème devant société. Premièrement, il a parlé de l'évangile. L'évangile, c'est une question de Christ crucifié. Crucifixion, c'est vagabond, vil, dernier monde qui est capable de mourir dans l'état ça. Donc, un monde qui est touillé dans l'état par crucifixion, et puis c'est lui-même que Paul a annoncé, et puis qu'on a lagué ça dans la main Timothée, et Timothée pour aller mourir, et puis Timothée qu'on a un genre faible, un genre gêné. Vous comprenez? C'est ça qui fait que l'a expliqué, là, il dit, n'est donc point honte. Regardez verset 8 dans la Bible là. Pas regardez dans la page là. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Pas besoin de honte parce que tu es crucifié là. Vous comprenez? Et ensuite, ni de moi. Est-ce que vous avez la clé qu'on y a pour nous? Parce que monsieur Abdéphane Christ, crucifié. Et puis, il a défendu Paul qui a mis dans la prison. Égal, monsieur, pas bon même. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Sois pas abandonné, pas la guerre. Comme on dit, pas la guerre. Parce que nous n'avons rien. Donc, en d'autres termes, il a encouragé Timothée dans le travail. Il écrit pour ça, pour capacité ferme. Oui, ou a prêché Christ. Christ crucifié, c'est vrai. Juif, parlé, ou un monde. Qui crucifié son vieux vagabond, mais pas fatigué ou pas besoin de honte, souffre avec moi. Je campe là parce que la femme qui était à 9h. All right? Semaine prochaine, nous allons retourner avec page là. Nous allons faire cette étude là. Et puis, nous allons étudier. Et puis, nous allons venir à l'autre feuille d'étude pour nous. Nous campe là parce que à 9h, nous allons aller. Il y a des gens qui parlent de travail. Nous sommes pas d'accord, bien aimé? Ok. Nous campe. Pour nous chanter. Jésus te confie.
cette sainte tâche. Frère Fleury, vous voulez prier pour nous, s'il vous plaît, pour nous aller? Vini dans l'étude ça la soya pour nous venir entendre vraiment tout ça nous entendre qui a bon pour nous. Nous demandons tant pour Seigneur aider nous pour nous capter par ça dans cœur nous pour nous kembeli jusqu'à ce qu'on va retourner dedans. Nous demandons tant pour diriger la vie nous faire nous capable être dans présence parce que dans présence que toute bagaille qui bon il y a la paix, il y a la joie et il y a la vie. Papa merci d'avoir côté bail pasteur Chiles Victor pour le capable camper sur deux pieds lui pour la santé force et connaissance pour être capable d'aider nous dans le moment ça appelle. Nous demandons autant pour remplir avec le Saint-Esprit de plus en plus, afin que quelqu'un vienne pour nous de plus en plus personne. Papa, il y a pour aller la caille, la maison respective, on n'est pas loin, mais nous demandons au Seigneur de prendre direction route là pour lui, afin que quelqu'un vienne la caille et souffle. Et chacun de nous qui est là, soit là, qui va sortir là, qui va aller en machine, nous va aller conduire, ça va aller dans le poste, dans le train, quel que soit côté nous pour aller, nous demandons autant pour prendre direction pour nous percer. Afin que nous tous capables de nos besoins respectifs, nous sains et saufs. Et la prochaine fois, et pour nous capables toujours continuer à bord gloire, honneur et louange que vous méritez, percer. Oh Dieu, nous remets toute grâce à vous, c'est pas tel que nous bons. Nous n'avons que mérite, mais n'a pas d'empêcher nous. Au nom de Jésus-Christ Sauveur, nous qui vit qui règne, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et que la communion intime du Saint-Esprit, le divin consolateur, reste et demeure avec nous dès maintenant et à jamais. Amen. Allez en paix, frères et sœurs.